Bien bonjour à tous les amis, c'est Skyzo HD. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première exploration urbaine. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'exploration urbaine, c'est tout simplement la visite de lieux abandonnés, délabrés ou encore désaffectés. Donc je ne suis pas tout seul, tout simplement car comme je vous ai dit, c'est des lieux délabrés, abandonnés, donc on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc on ne va pas s'aventurer forcément dans les endroits de psychopathes car c'est jamais, la pierre ne tient pas forcément. Donc c'est pour cela qu'on fera attention dans ce lieu. Donc voilà, c'est à peu près tout. C'est un lieu qui se trouve non loin de chez moi, le fort de Saint-Thierry. Donc avant, voici l'histoire de ce lieu où je vais vous raconter avec des diaporamas. Allez, à tout de suite. Le fort de Saint-Thierry, construit sur les territoires de la commune de Pouillon, de 1875 à 1878, sera appelé Fort Berbier de Metz, lieutenant général d'artillerie, tué à la bataille de Fleurus le 1er juillet 1690. Assez difficile d'accès, il cache dans les bois ses structures en partie démolies par un promoteur pour réemployer les belles pierres de ses parements. Devenu propriété de la commune de Pouillon, mais abandonné, ce fort présente maints dangers pour le visiteur téméraire qui devra être extrêmement prudent et ne pas essayer de monter sur ces structures aux nombreuses cheminées d'aération. Vous comprendrez pourquoi ce lieu est si dangereux une fois la visite réalisée. Près de 35 minutes à avoir trouvé le chemin, trouver le fort. Alors, il est juste en face. Apparemment, vache, impressionnant. T'as vache toute la végétation qu'a repris en vrai. Putain, en plus on s'entend, ça résonne. Alors on a... Putain, sans le vieux. Ça c'est des obus qu'on pété. Ouais. Donc ouais, on a mis 35 minutes à trouver le fort. Et en fait on était juste à côté. Donc j'ai pris une lampe hein, parce que on voit pas grand chose. Hein. Voilà, c'est vrai que là. Putain la vache. En plus il y avait plein de flaques d'eau et tout. Oh. C'est chelou hein. Ah, quel trou! Donc on a pris des lampes parce qu'on sait jamais. Hein? Ah ouais. Ah la vache. Ça c'est un puits de lumière. J'avais vu sur le... Heureusement qu'on a la lumière. J'avais déjà vu, il y a des gens qui ont déjà fait des vidéos dessus, mais on voyait rien. Alors là, l'entrée comme ça. Non, en plus il y a le... On sait jamais. En fait, c'est des catacombes le truc. Putain, par contre, ça résonne à mort. Bon, ça, on voit quand même. Heureusement qu'il y a les deux lampes. Oh. Putain, en fait, la végétation, comment elle a pris le dessus. C'est impressionnant. Putain, en plus, on sait pas où on marche. Ah ouais. Et en fait, parce que le fort, il a été beaucoup séparé. Ah bah ça va être chaud. Parce que là, vous voyez, il y a plein de boue partout. Oh la vache. Bah de toute façon, c'est ça. Hein. C'est de la boue, de la boue. Donc là on ressort là, ça fait première partie du château et là, bim. Et en fait le fort il a dû être séparé avec les bombardements. Il y a eu beaucoup de parties qui ont été séparées. T'es sûr? Ouais. C'est pas un mur, c'est des escaliers. Attends, on va voir. Putain, ça résonne à mort. C'est impressionnant. Oh les gars, les galeries de malades. C'est quoi ça? Ah non, en fait, non, c'est... Non, si, on peut y aller. C'est... Par contre, là, on voit un peu moins. Ah, je suis désolé. Il y a des endroits, c'est... Attends, tu peux repasser devant moi? Parce que sinon... Ouais. C'est parce qu'on peut trouver. De quoi? Un psychopathe. Que c'est vraiment ouf. Putain, il y a vraiment des galères. Il y a vraiment le moyen de se faire flipper ici en vrai. Là on tourne, ça fait une galerie principale. De toute façon, il y avait l'autre partie là, on va faire là. Hein? Ouais. Ah mais toi ça faut repasser là-haut. Parce qu'il y a l'autre côté. Putain la vache. Donc là on sait pas dans quelle partie, bah on peut passer. Ça mène à quoi là? Ah ouais. Ah en fait ça fait une toute petite galerie. C'est... Ah ouais puis l'escalier gars. Il doit se terminer là. Ah je suis un de ces trous. Putain. Ça t'approche pas trop. Je me demande à quoi va. En fait c'était... C'est le vase. Ouais ouais. Il y avait un trou comme ça. Ah, j'avais pas remarqué. Ça c'est... Donc ça fait plus de... Presque plus de 200 ans que le fort a été abandonné. Ok. Donc on fait une coupure, on se retrouve juste après. Oh la vache. Ouais, c'est vraiment... En fait il était... sur 2 étages et je crois normalement là il y avait une partie du bâtiment et en fait tout ça c'était un magasin. Attendez, hop, il y a un petit truc sur l'objectif. En fait je pense que la galerie qu'on avait vue elle doit suivre tout ça. Vache. Voilà comment ça résonne. Ah. Donc là, il devait y avoir un escalier. Et ouais, en fait, on remonte là. Ouais, ouais. Et là, en fait, c'est des... C'était un ancien escalier. Et en fait, qui devait, je pense, servir à monter au 2e étage. Ça devait servir à monter au 2e étage. Ouais. C'est vraiment impressionnant. Il y avait dire qu'il y avait 500 soldats là-dedans à l'époque, qui étaient réquisitionnés par l'armée. Et le fort a été détruit par l'armée française. Car ils ont voulu récupérer leur fort. Et je pense, bah... Hein? Ouais. Donc on se retrouve après, on va jusqu'à la grotte. Donc... Voilà, on a trouvé un autre endroit pour passer. Parce que là on essaie de voir s'il y avait... Parce qu'il y avait un endroit... Pour savoir si on pouvait passer, mais en fait on peut pas. Ah ouais, je sais vrai, c'est pas vraiment. C'est. Putain la vache si tu tombes là-dedans, imagine. Alors t'arrives, tu trouves. Et là on ressort et là il y a l'autre endroit. Ah si. c'est des murs. Si, c'est une butte. Mais ouais, on peut pas sortir. Si tu repasses devant, on va se faire la lumière. On va déjà voir ce qu'il y a là-haut. Les gens, je pense, ici doivent faire. Parce que comme il y a pas mal d'endroits pour faire du vélo. Ah si, tu t'abaisses. Bon, je pense quoi? La vache. Ah vache. Ouais, le fort en fait est vraiment énorme. Il y a beaucoup de parties qui ont été séparées. Donc on... je pense pas qu'on va pouvoir... C'est un trou ça? Wow. Et oui, en fait, regarde, ça monte jusqu'à là-haut. Ah, c'est chiant, on peut pas voir, mais... En fait, ça fait une grande descente, mais je pense qu'il y avait des escaliers. Oui. Et bah tout ça, ça a été détruit. Une voiture. Non. Ah la vache. Je sais pas si vous allez voir. Je sais pas, mais... Ah oui, attends. Ah ouais. C'est... Ah ouais, ouais. Ouais, ça a dû tomber... Ah, vraiment, on peut faire vraiment des grosses découvertes là-dedans. Là, ça, ouais, ça a l'air de faire plein de petites... Ah non, c'est des murs, en fait. Je me demandais à quoi ça... Je me demandais à quoi ça sert. Donc bah voilà les amis, j'espère en tout cas que cette exploration Urbex vous aura plu, la toute première exploration Urbex. Donc voilà, on a vu pas mal de parties du fort qui ont été pas mal détruites par l'armée allemande et par les Français aussi, car comme je vous l'ai dit, ce fort a été réquisitionné par l'armée allemande. Donc bah voilà, j'espère en tout cas que ce premier lieu abandonné vous aura plu. J'essaierai de retrouver, si vous avez des idées de lieux d'Urbex à me conseiller, n'hésitez pas à me dire. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre plein de likes, à commenter, à partager et à me dire votre ressenti sur ce premier Urbex. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde. Peace les gars.